Hey, salut à tous et bienvenue dans ce making of de la vidéo motivation Dragon Ball Z. Donc là, vous voyez, je commence ce soir avec l'élaboration des costumes. Donc ça, en fait, c'est un costume de prisonnier. Parce que les trucs de Dragon Ball Z qu'il y avait au magasin, ça faisait vraiment cheap, c'était dégueulasse, on aurait dit des pyjamas. Donc j'ai pris ça, c'est un truc de prisonnier. Du tissu bleu pour faire la ceinture et les bandes là sur les poignets. T-shirt bleu, pareil. Et voilà. C'est parti. Ok, ça avance. Là, il y a le patch qui va dans le dos. Et je suis allé chercher comment s'écrivait Body Time en japonais pour le mettre là. Et voilà, le déguisement il est terminé, enfin presque, il y a Cap qui fait 2-3 points de couture. Alors, normalement ça devrait le faire, ça va pas être un truc de fou, mais c'est moins dégueu que les trucs qu'on pouvait acheter dans les magasins de déguisement. Parce que rien n'est sous licence en vrai, donc rien ne correspond exactement au dessin animé. Voilà, je pense qu'on a fait quelque chose qui s'en rapproche. La qualité de la combinaison orange est pas top, mais bon, je pense que ça devrait le faire pour la vidéo. Et on a trouvé le lieu, on va la tourner demain. Donc demain, PJ et Jacopo me rejoignent. On va tourner ça sur les hauteurs de Grenoble. On a trouvé un petit scénario sympa. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Oui, juste une chose, je voulais dire pourquoi on a décidé de faire ça. Enfin, vous savez, hein, je suis blond. Donc, on a été obligé de faire la vidéo Super Saiyan. Et voilà, ils sont arrivés. Le blond prisonnier et Jacopo. Et là, donc les déguisements sont prêts. Ils sont juste là. La On va classe. aller préparer la coupe. La Des coupe. flammes sur la tête, on va manger et c'est parti pour le tournage. Une bonne tête de con. On dirait ou pas? Ouais. Désir laisse. Voyage, voyage, plus loin que la vie et le jour. Voyage. Tu connais toi ou pas? Non, moi je connais Cold France ça par contre. Ah. Claude François, c'est comme Claude Claude François. François. Ah, d'accord. Avec un gun. Claude. Allez, ça va faire début. Allez. Putain, je peux pas avec mon épaule. PJ, il a mal à l'épaule. Il s'est blessé au pôle d'Aine. Putain, c'est vrai en plus. Ça craint. Merci, Chana. Voyez, avant, moi, j'étais fier de sortir avec eux. J'étais content. C'était un honneur. Olé, Antena. Voilà. Avec qui je sors. Désirless. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Body time! Body time? Ça, c'est écrit body time en japonais, gros. T'as fait des recherches pour écrire ça? Oui. Non, je parle japonais. Ah ouais, comment je parle espagnol alors? Pareil, aussi bien. Ils sont bien déguisés. J'ai peur. C'est une guerre des lacs là. La tenue est prête avec mon pote. Vous savez, le petit. Moi, on connaît pas assez les noms. Ça rend bien ou pas? Vous avez kiffé ou pas? Et c'est fait maison, hein? Ouais, c'était fait ici par Capucine avec ouais, le drap bleu. C'était le rideau à la base. On a utilisé le rideau de chez Alex. Et là, on vient de terminer un repas des Super Saiyan. On est à la bonne heure. Voilà. Un kilo de légumes. Exactement. Légumes prot. Et un petit dessert pour Alex. Non, n'importe quoi, c'est pas pour moi ça. Pourquoi vous m'avez amené ça? Mais il y a trois cuillères, je vois, gros. Il y a trois cuillères là. Peut-être on va pouvoir les goûter. Peut-être que tu aurais pu en commander un. Bah non. Voilà. Comme on galère avec le matos. Il est chargé comme un âne. Ça va? Ça va. Voilà comment on se trimballe. Et j'ai des haltères hein, dans le sac. Arrête. Ah voilà. Propre. Est-ce que c'est les productions Body Time? On me donne de nous quand même. Hein. C'est pire. Pire que l'entraînement. Ça va les randonneurs? Ah, c'est horrible. Là, on a trouvé un petit spot pas mal. On va voir si on peut grimper là-haut. Téléportation. Allez, non. Regardez, 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 il galère depuis tout à l'heure. Les gars, vous êtes filmés. Ah, c'est bien. Après 10 essais. Tiens, t'as ça à lui faire passer. J'explique, voilà, Jacopo doit filmer de là-haut. Et bon, le mur est un peu haut, on galère un peu. Ah, merci. Là, voilà, ça tape dans tous les sens. C'est trop lourd pour toi, il faut faire un peu de muscu, Jacopo. Hein. Il s'entraîne, hein, gros. C'est pas qu'il s'entraîne avec toi, lui. Hein. Ouais.
trois fois qu'il loupe, je suis obligé. C'est, ça, c'est ma chaussure qui rate. Ah, c'est sa chaussure qui rate. Et on va voir si la quatrième elle passe. Oh gros, si t'arrives pas à monter quand même. Lâche-moi. Allez. Oh, il a tout donné devant la cam. Ok, ok, c'est bon, on a compris, t'y arrives, t'y arrives. J'en ai chié un peu. Et voilà, tournage terminé. Tournage terminé pour aujourd'hui. Et voilà. Putain, il fait froid, c'était dur, c'était long. Il faisait froid, c'était dur et c'était long. C'était dur et c'était long. Demain et matin. Attends, on a transporté 50 kilos de matos pour rien. On a rien utilisé. J'avais deux haltères de 7 kilos dans le sac. PJ, il avait le gilet lesté. Il y avait la grue, il y avait le travelling, il y avait des appareils dans tous les sens. Voilà, on n'a pas utilisé la moitié du matériel. C'est pas grave. Parce que des fois, si je veux dire, c'est les choses simples qui font la différence. Il faut pas trop amener de trucs, mais les bons. Écoute-le-moi celui-là. Qui... Écoute-le-moi le feignant. J'en ai marre. Donc, on a tourné toutes les scènes normalement en Super Saiyan, donc avec les cheveux blonds. Et demain matin, direction le coiffeur. Pour redevenir brun. Il y en a assez du blanc. Mais je sais pas si ça sera une vidéo à part entière ou si elle sera dans ce vlog là. On verra. Et c'est l'heure de manger. Tu vois. Après une bonne douche. Moi je suis bien propre. Cap aussi. Il y a des crados, ils sont là. Moi non. Ils sont là, les crados. Ah, pas le temps de se doucher. Voilà. Mais non plus. La semaine prochaine. Hein ? La semaine prochaine. En tout cas, ça va être une vidéo au top. J'espère. Avec ce qu'on a subi, franchement, j'espère. Ah, je filmais en haut. Ouais. T'es douché là? Ouais, gros. Mais tu vas te coucher. Et c'est le grand jour. Retour au brun. Putain. Fini les bonnets, les casquettes. Non, l'anguille. H24. Là. Fini le brun, j'espère juste qu'elle va. Parce qu'il paraît c'est chaud. Fini le brun. Ouais, c'est un mec, tu connais pas? Non. C'était tout de suite après Louis XIV, c'était Fini le brun. Pas mal. J'espère juste qu'elle va gérer parce que bon, là on a subi deux décolorations plus une couleur il y a une semaine. Voilà. Et à ce qui paraît, on peut terminer avec les cheveux verts. La légende raconte ou ça. Ou les cheveux absents, chauves. Oh putain, je préfère avoir les cheveux verts, je pense. Ouais. Toi aussi. Mais un joli vert par contre. Ah, vert pistache, tranquille. Voilà. Parfait. Donc là, on a rendez-vous à 9h, 8h30. On est déjà parti, c'est pas magnifique ça. Ouais, mais on doit s'arrêter manger. Ah ouais, c'est vrai. Et voilà, en direct de Grenoble, City. 9h-10. 9h-10, il faut qu'on déjeune et après on a rendez-vous chez le coiffeur à 9h. On peut le faire. 52 on commande, 53 on a fini de manger. 54. On sort. On sort. 55 on passe vite fait, il y a un petit marché avec des réducs. Putain. On fait la queue ou quoi? C'est resto là. Queue. Alors Alex, la Cheek Week, ça se passe bien? Ça se passe bien. Je vais peut-être faire un clean 1000. Une fois dans la semaine. Merci. Et voilà, on arrive chez le coiffeur à Grenoble, à Rem, en face de Philippe Ville. Tout le monde connaît. Donc tu le disais, ça me va bien? Oui, ça te va très bien. Voilà, je vais rester comme ça. Ouh. Tu me fais peur. Je suis vraiment dégueulasse. C'est beau pour des gens qui l'ont fait eux-mêmes. C'est pas mal. C'est très beau. Bien Lolo, joué. Lolo la coiffante. Lolo la coiffante, bien joué. T'as peur? On va commencer à me parler de violet, vert et tout. Gros. C'est ça qu'on aura? Voilà la couleur. Parfait. Un peu violine. Rose. Magnifique. C'est tout ce que j'ai. Tout ce dont j'ai rêvé. Toute ma vie. Essaye de pas me faire noir. De toute façon, écoute bien. Ça repousse. Non, mais... Ouais, d'accord. Tu vois, ah, ça, tu alors. Couds, tu couds et ça repousse. Et de là, ton noir, et bah après, ça se transforme en blanc, comme tu étais. Regarde, t'as quoi? T'as 10 cm de cheveux dans un an, c'est bon. Par contre, c'est dommage parce que vous auriez dû au moins vous faire couper les côtés en fait. Tu nous fais après, non? Faire la coupe histoire d'enlever déjà, ne serait-ce que les côtés où c'est rasé en fait. Histoire que tu retombes sur quelque chose de propre quoi. Parce que là, tu peux me le faire après ou... Ouais, je peux te les couper. Ah ouais, après. Bah, tu veux le faire après, ouais. PJ ou la Z direct, lui l'a dit. Moi, franchement, le style, je m'en fous.
Après la première couleur, vous pouvez voir que le résultat est là. Voilà. Il est plus blond. Exactement ce que je voulais. Merci. Relève un peu la tête. Tu fais vite. Magnifique. C'est un brun. Ténébreux. Voilà, classe. Brun classe. On dirait un. Brasse moquette ou je sais pas quoi là. Allez, vas-y, moi. J'adore quand tu fais cette tête, PJ. Est-ce que je pourrais jouer dans la famille? Voilà, retour au brun. Je pourrais jouer dans la famille Adams ou pas? Ouais. Non, je peux bien mort. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous avez de la chance, c'est que t'as un mat. Alex, ça se verra pas. Non, si t'es déjà encore le cul. C'est un coiffeur ambiance disco derrière. Il est ressorti violet un peu. Donc on refait. Prune. Prune. Ça faisait très blédard. Pas la peine. On va pas lui faire une couille. Voilà, moi je suis redevenu brun. C'est toujours moche. Je veux dire, un vieux qui s'est fait une couleur. Et Alex. Elle me l'a refait parce que c'était violet. Et elle a dit, mais vous avez des cheveux fusillants. Ça frise, oui. Voilà. Donc on va garder le bonnet encore quelques temps. Ça c'est quand tu prends un petit déj au tête brûlée. Ah bah voilà. Jean-Marie Corbeau. C'est ça. Bon, merci Mélissa. Je vous en prie, c'était un plaisir. T'as réussi à rattraper la catastrophe. Ouais, c'est clair. Elle est fière. Ah, on revit. On va garder le bonnet encore quelques jours quand même. Ah, parce qu'en fait, PJ il est noir corbeau. C'est un peu comme les yeuves. Les vieux qui se font une couleur. Et en plus j'ai encore de la couleur sur le crâne, c'est dégueulasse. Et moi, c'était sorti violet. Donc elle a dû me le faire une deuxième fois. Et ce bâtard c'est sorti nickel. C'est sorti marron, petit nickel. Dégradé. Bon, les cheveux ils sont morts. Mais petit dégradé noir marron. Énervé. Au début c'était de ma gueule parce que j'étais violet. Moi j'avais le seum. Et à la fin c'est moi qui ressors avec. Bon, par contre, couleur presque naturelle. Alors je me coiffe quand même, hein. Ah, ça va bien comme ça. Ah, il y a quand même des reflets violets. Merci. Toi aussi. Merci quand même toi les aussi, reflets. T'inquiète. Ah ouais.